Vous regardez Ilis Télévision. Fan Diggler pour Ilis Info. Les informations officielles de votre planète. Les sections Alpha ont éliminé la menace qui pesait sur la ville. Nos vaillantes troupes d'élite des sections Alpha ont une nouvelle fois bravé la mort pour protéger d'innocents Iliens. Les Alphas ont réagi en quelques secondes à ce que des témoins ont décrit comme une attaque extraterrestre brutale qui a dévasté une grande partie du principal quartier de la ville. Ces extraterrestres, les Doms, se sont enfuis dès l'arrivée des sections Alpha, laissant derrière eux 30 pâtés de maisons en proie à de vives flammes que nos héros ont dû affronter. Après avoir éteint l'incendie, les Alphas ont été largement applaudis par la population locale en signe de reconnaissance. Où est la porte de l'îlot? Oups là! L'îlot noir. Mais il me semblait que je l'avais pensé à 200% moi aussi, mais tu vois, ça, je le savais pas. Ça me dit rien du tout. À moins que je m'en rappelle pas, mais... Je sais pas, non, je... Oups, là. Yes! Mama good! J'ai dans la tête, c'est terrible. Bonjour, mademoiselle Jade. Mister Mystery, hein. Monsieur de Castellac, comme tous les habitants d'Ilis, souhaite ardemment la fin de cette guerre. Monsieur de Castellac est une voiture? Section Alpha prête ouais. À repousser les Doms, mais ils nous cachent la vérité. Des monstres d'hommes ont déjà envahi chaque recoin de notre planète. Deux spécimens ont été repérés au fond de cette mine. Si nous n'alertons pas la population, ils seront de plus en plus nombreux. Mais pourquoi vous appelez pas la police? Monsieur de Castellac est prêt à payer très cher pour pouvoir diffuser une photo d'un couple de ces monstres. La mission comporte de grands risques. Bon, les couilles. C'était pour les refuser. On n'est pas très potes avec les Doms. Dis à ton patron qu'il aura sa photo. Yes! T'as d'autres trucs à me dire, moustachu? Les deux verres du fond, c'est ça? Deux ptérolimax, mademoiselle. Ceux-là seulement sont des monstres d'hommes. Nous savons que vous pouvez effectuer parallèlement, pour le centre scientifique, un recensement de la faune ilienne. Mais monsieur de la Castellax s'intéresse exclusivement aux ptérolimax d'hommes. Ok. Monsieur de la Castellax, vous avez un très beau pare-choc. Ouais, d'accord. Ok, on va sauvegarder un petit coup. Hop. Ouais, bon, ça sautille un petit peu les menus et tout, mais le jeu est très fluide, il marche très bien. C'est le plus important. Bonne chance. Et souvenez-vous, monsieur de Castellac veut le mâle et la femelle sur la même photo. Gna 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 gna. Fous-moi la paix. Bon, tout ça, on a déjà pris en photo. Là où il y a un truc. Comment j'y vais? Je sais plus. Ok. Bon, c'est peut-être plus tard. Je sais plus. On va lui trouver ces vers de terre. Ouais, des vers de terre. Bon, on verra bien pour bien le goût des villes. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que c'est quand même. Déjà, il y a Paige. Il y a Yad. C'est déjà ça. Attendez, c'est là. Viens voir, s'il te plaît! C'est la même mouche ou pas? Je crois qu'il faut que je te dise. Ah non, c'est pas la même mouche! Musca saprophagia! Merci, Jade. Les mouches sont injustement mal aimées. Non, c'est du sale bait. C'est du sale bait, et puis c'est tout. Oui, tu disais quoi, tonton? J'écoutais pas trop. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire quoi? T'as une idée? Maintenant, c'est peut-être le moment de te montrer ma dernière invention. Ah oui! Deux gens de travail dans le plus grand secret. L'aboutissement d'une carrière. Ma petite carrière. Okay, les Jet Boots! Les Jet Boots! Ils fonctionnent avec du biocarburant maison. Ici, une poche de méthane maintenue sous pression. Là, sur le plasmel, deux turboréacteurs. La mise à feu est commandée par une simple contraction des muscles abdominaux. C'est le moyen de transport du futur! J'attends ton signal, Jade. Ok, vas-y. C'est Mélina Steampunk. Celle d'avant, vous vous souvenez pas? Ah, t'as peut-être pas connu, toi, Dralis. Je suis
Monsieur. T'aurais dû mettre un robot sur le cul. Et voilà. Super. Trop bien. C'est un peu de la merde, mais bon. Petite photo, Paige. Si tu veux une autre démo, je suis à ta disposition. Alors, il fait coucou, c'est bien, mais tu es trop près. Arrête de gratter le cul, je te vois. Bon, fais ça plus tard, c'est pas grave. C'est parti. Wouhou. Hey, et pourquoi tu m'avais caché ça? Oh, il fallait que je peaufine les derniers réglages. Touche plus à rien, c'est nickel. L'aventure commence à filtrer à son exploration. C'était nouveau à l'époque, ah ouais, c'était vraiment cool, hein. C'était vraiment cool. Bien joué, Jade. Bien joué, Jade. Ça, c'est pas une bestiole? Non. C'est jamais. Ça, là-bas, c'est une bestiole, par contre. Les mines. Les mines. Eh, hey Jade, il y a le plan. Je crois que je peux prendre en photo, ouais. Tester ton... Oui. Analyse. Voilà. Nous avons la map que je ne vais jamais regarder, sûrement. Comme d'habitude. Bonjour. Je crois que je peux prendre cette connerie en photo aussi. Oui. Lycoperdon fugiferus. Superbe cliché. Oh, des présentes. Oh, oui. Tu connais ces bestioles? Jamais vu. Mais je suis sûr que je pourrais les déloger. Moi, je dis, elles vont encore servir avec Jetbot. Pas super clair, son crobard de bestioles. T'inquiète pas, mon ami, quand tu tomberas dessus, tu comprendras pourquoi il n'y a pas de dessin plus précis. Maintenant! T'as vu ça? Ton attaque Jet Boots les fait sortir de leur gonf! Ouais? Mais fais gaffe quand même! Quand on les énerve, ils sont incandescents! Ok, on va le faire là-bas aussi! Donne-moi ton signal, Jade! Wouhou! On fait tomber dessus! Nickel! Oh oui! Plop miam miam! Destercos! Mais prends tout! Et ça, c'est quoi? Un boost? Yes! Oula! Mais! On va pas faire ça ici, hein, tonton! Tonton? Bon. Salut, toi! Anemonia mutabilis! Méfiez-vous de ces anémones mutantes! Random. Ouh, la banque centrale paye 5 unités pour chaque cristal de materia. Cristal de materia. Il est transféré illico. Il est transféré. Et mucho unité par caillou. Good, good. Oh oui. Encore plus de pépettes. Tu m'en donnes pas plus? Hé, hey, Jade! Viens voir! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est où? Oula, merde, je me trompe de touche à chaque fois. Tonton? Il va nous falloir du matos si on veut passer par là. On est dans une ancienne mine. Il y a sûrement un local à outils ou quelque chose comme ça. T'inquiète, on va trouver. Alors, je crois que ça, il faut que je l'ai. Attaque, Jetboot! Oh, plein de pépettes, oh oui! Magique. Encore plus de pépettes! Maintenant! Bien pratique, ces Jet Boots. Moi aussi j'en veux, en fait.
Photo! Oh! Oh, ma photo est magnifique! Crochax Velox! Des Crochax? Ne les approchez surtout pas! T'inquiète, je vous approche avec mon bâton! Ah oui, je peux esquiver, c'est vrai! Calme-toi tout de suite! Ouh, c'était quoi ça? Crochax! Il y en aura d'autres, Jade! Il y en aura d'autres, tiens! Il y en a deux ou trois! Yes, mon dieu, non! Prends les lucioles en photo? Par là, à mon avis, ça bougera plus. Attends, quelle luciole? Ah, c'est vrai? Je sais pas si je les avais déjà pris en photo. L'Empyrus Capestris. Des lucioles superbes. Elle est contente, hein, dis donc. T'as grâce à photo, on va pouvoir prendre toutes les espèces en photo. Pauvres animaux, quand même. De quoi les Crochax? Solbait. C'est des Solbait. Ah oui, non, j'ai oublié d'activer un truc. Enfin, ce jeu se boit comme du petit lait. Ça passe tout seul. Comme le petit suppôt, voilà, quand t'es gosse, ça passe tout seul. Aïe! Oh, pardon! Pas sur moi, morflenouille! Morflenouille! Attends! Bouge ton gros cul, tonton! Putain! J'arrive pas à passer, quoi! T'es lucien, c'est une toute beauté! Ah oui, c'est une toute beauté! Des bougnafs! Des bougnafs! Mais comment il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais! Je sais pas! Allez, Attends, j'ai des photos à prendre! Attends! Oh, magnifique cliché! Cinéa Urtica! Ah, ces petites méduses! Lumière! Oh, des petites méduses! Oh oui! C'est l'aurore, le support, enfin! Pas pour tout le monde, hein! J'en rigole! Joke! Attends, mais moi je prends mes photos! Donne-moi ton signal, Jade! À toi de jouer! Merde! Je peux les envoyer quelque part? Je ne sais pas. Bonjour! Oh, on va peut-être manger un bout. Maintenant. Attends. Je sais plus comment on mange un bout. Ah si, c'est bon, j'ai mangé. Oh, des petites méduses! Elles sont mignonnes, même m'attaque. C'est quoi ce délire? On y va! Oh putain, je voulais l'envoyer sur le crochet, ça n'a pas marché du tout. Bonjour! Couchez! Attendez, j'ai une photo à prendre. Alicia Spendes. Elle est magnifique. D'ordinaire, les Alicia vivent dans l'eau. Ah oui, elle est dans l'eau. Oui, je voulais les prendre en photo, oui. C'est ça que je voulais faire. Mais c'était un peu le bordel, je me faisais attaquer dans tous les sens. Voilà. Pelagia Pachydermis. Les grosses sont des mutantes. Prudence. Bah, les petites m'ont attaqué aussi, hein. Je veux pas dire, mais... Ok. Ta pellicule est terminée. Déjà? C'est bon. Je te transfère une perle. Oh oui. Et je réinitialise ta pellicule. Ça, c'est bon, ça. Allez, nouvelle perle. On va en avoir diantrement besoin. Oh, mais qu'est-ce qu'elle s'excite, elle, là-bas, là? Qu'est-ce que t'as? On y est pas allé un peu fort, là, non? Je crois qu'elle me fait de l'œil. Hein? Ça, c'est du reportage animalier comme j'aime. Tuer tous les animaux. Oui. C'est du bon reportage, ça. Parfait. Vieille mine. Une mine. Oh putain. Vas-y, écrase-moi, je te dirai rien. C'est dangereux, tonton. Ouais. On devrait sûrement trouver un truc dans ce Clock à Beans. Dans ce Clock à Beans. Mais comment il me parle? C'est génial. Oui, bon étant, Yad. Ah, Yad.
Boîte de kebabs. Des kebabs. Ça, ça doit être trop bon en vrai. On dirait des espèces de marshmallows à la fraise ou je sais pas, ça a l'air trop bon. Ça a l'air beaucoup trop bon, j'ai trop envie de goûter. Pouah ! Pas besoin d'acheter des trucs, j'ai pas dépensé mes sous pour ça. Trop besoin de mes sous. Ouais. Sauvegardons un peu. Je fais un petit check-up de l'heure. Oh, nous sommes très très bien. Nous avançons vite. Nous avançons vite, Yad. Nous avançons bien. Pas censé trouver un truc ici? Ah, voilà. Ici. Tiens, ça, c'est pour le spécialiste. Ouais! Une Barocco D53 modèle à percussion cisaillement. Bien sûr. Bien sûr, et je la mets dans mon cul, parfait. Eh mais en vrai, les sacs comme ça, qui démartialisent... Dématialisent... J'arrive plus à parler. Les objets, qui les mettent comme ça, et après qu'ils les reforment et tout, mais c'est trop bien. Ouvrez les yeux. Les sections alpha sont les complices c'est des hommes. C'est le turnuf, quoi. Rejoignez le réseau Iris. C'est le turnuf du turnuf, quoi. Aucune réaction. Toi du travail de professionnel. Pas de pitié pour les grilles. Où elle était déjà l'autre du même genre là. T'inquiète. De toute façon la plateforme je peux y aller après non. Attends je crois que ça se prend en photo aussi. Ça me rappelle la morue au kiwi et chocolat de ma tante Hortense. Quoi? Tu es trop près, Paige. J'espère que je veux pas te prendre en photo, mais tu es beaucoup trop près. Spongus Glandeus. Bon travail. C'est quoi ces noms? Et on veut pas savoir tes histoires de cochons là, hein. Ça suffit. Garde-les pour toi. Oh! Mimi. Non, c'était pas bon. Oui, putain, le bordel de merde. Mais putain, mais... Ouais, mais... Non. Je veux cette photo, je l'aurai. Rien à foutre, on va attendre diplôme s'il faut. Ah, trop proche. C'est une blague. Je suis pas dans le bon sens. Pousse-toi, mec. Putain. Il est con, mais pousse-toi. Pousse-toi, tu m'as faussé ma photo. Non, j'étais bon. Ah, j'ai eu. Elix Rupestris. Félicitations. Les données sur les mollusques sont rares. Fou. Putain, Paige, il se fout bien devant. T'arrêtes de faire le touriste, oui. C'est pas possible. Je te prendrai en photo plus tard. Il veut que je le prenne en photo. Mais il se met trop près, en fait. Regardez, là, ça va pas. Oula. Pas bien propre, tout ça, hein. Bon, avançons. Vous voyez, petit bug d'affichage de jeu, hein, mais bon. Au moins ça marche, c'est déjà ça. Oh putain! La vache! Oh pardon! Merfelouille! C'est bon? Ok. Tout allez. Oula, les lunettes commencent à me faire mal au crâne quand même. Je vous avouerai. Oula! C'est remonte. Yep là. Caméra! Et du coup, la grille était là. Non, ça c'est le vide, Yag. C'est parti! Pardon, monsieur l'âme. Allez, sans moi, t'as pas le spécialiste. Ah oui. Fais-moi péter les rouages, j'allais dire, mais non, ça ne marche pas. Merde. Ah, attendez, ça c'est intéressant par contre. Identification compte. Ok. Quoi que je me demande si... À Sarkos, un AP1 augmente d'un cœur la capacité de votre jauge. Est-ce que j'en achète un ou pas? Je sais plus si on en trouve des gratuits. Ah, je vais peut-être en acheter un quand même. Allez. Identification compte. Ok. Ok. Un AP1 augmente.
C'est bon, c'est numérisé. Salle numérisée. Oh oui. Nickel. Bon, on a masse de soins. Coucou. Ah, Paige, il va pas pouvoir passer là. C'est mort. Voilà. Et pas pour moi, Jade. Ah bah là, je peux peut-être le prendre en photo. Il a compris lui aussi qu'il pourrait pas. Là, voilà. Ah, il faut être vraiment loin en fait. Hein. Et là, tu fais plus coucou. Ah bah bravo. Sus sapiens. Okay. Noté dans mes archives. Quoi? Ah, il vaut 600. 600. Mince, comment ça s'appelle? Unités. Hey, le page. Salut, hey, je me casse. Ensemble, Mildew. Mildew. T'inquiète pas, je suis là, il t'arrivera rien. Ouais, c'est ça. Fous-toi de ma tronche en plus. Bah non, je me moque pas. Voyons, tonton. Comment qu'on fait? Ah oui, je crois que je peux lui demander de faire la super action, même aussi loin, me semble-t-il. À toi de jouer. Ouais, ça marche même aussi loin. C'est Mayek. Ouh, des unités. Ah oui, c'est bon. Oula, la caméra pète un câble. Donne-moi ton signal, Jade. Est-ce que ça va marcher aussi maintenant loin? Maintenant. Head. Et ça n'a pas du tout marché. Je crois qu'il faut que je le pousse d'abord. Voilà. Voilà. Tout. Allez. Ha! En vrai, son arme est ultra classe. C'est juste un bâton, mais elle est ultra classe. Puis ça change un petit peu. C'est assez original. Ouais, j'y arrive pas, papa, tonton, je suis plus vite. Hop, hop, hop. Super action. Non, ça marche pas. Dégagez. Oh là là là. Bah oui, bah, fais quelque chose aussi. T'as pas ta clé, là, pour te défendre? Tu laisses ta grosse clé, tonton. Couchez. Chante-toi, je crois que... Y'a pas de quoi, vieux Bresca. Allez en route, je sens que le meilleur est à venir. Y'a un animal caché derrière le pont. Derrière le pont. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait un passage. Quelle nouille. Oh non. Je t'ai eu. Amamébia polypodia. Une amibe polypode? Ça, c'est du jamais vu. Pas sûr que je l'avais trouvé, celui-là aussi, hein. Je crois que j'avais poussé le jeu niveau perles, machin, etc. Mais alors, niveau animaux, ouais, j'ai dû louper 2-3 quand même. Hein. Heureusement que tu es là. Loupe. C'est parti. On y va. Non. Ah merde. Faut le faire de l'autre côté, c'est ça? D'accord. Oui. Faut que tu m'ouvres, Jade. Non, tu restes en bas. Tu restes en bas, t'es puni. Un M disque de sauvegarde. Oh oui. Allez, viens, tonton, arrête de bouder. Bonjour, madame. Livraison de pizza. C'est parti. Bah, elle est où, la pizza? Donne-la tout de suite. Putain, il m'a donné faim avec cette histoire de pizza, là, ça y est. Fais chier, tonton, hein. Boyau principal, nous sommes dans les tréfonds de ton corps, de ton... je sais pas quoi. Ouh. Et un... Oh, je l'ai loupé. Oh non, c'est pas mignon en fait. Non, c'est pas mignon. J'ai comme l'impression que non. T'as mis les pieds juste où il fallait pas, ma petite Jade. Photo. Palinurus rupestris. Incroyable. Encore des palinurus dans la région. Yeah.
C'est moi qui vais me les bouffer par contre, hein, c'est pas toi, hein, mais bon. Elle explose. Donne-moi ton signal, Jade. Ouah, elle est pas ma classe. Et les bébés, on peut pas les prendre en photo. Ils ont disparu. Bon, non, je les ai écrasés alors. Il est où mon coquillage là? Putain, il est parti. Je pourrais le prendre qu'une fois en photo. À toi de jouer. Merde, j'ai pas du tout envoyé là. Maintenant. Ah merde, raté. Allez. Toujours pas. Mais non, ça les envoie pas dans le bon sens. Attaque, jet boot. Voilà. Là, il nous détaille. Il y en a là aussi. Là, je peux peut-être les avoir. Il y a le coquillage. Je savais pas qu'elle avait aussi le mode gourdin, ta pince multi-usage. Le coquillage. Modèle D53, ma petite dame. Avec cisaillement et percussion. Il est tout content. Coquille. Il est juste... Oh, la photo est pourrie, mais bon. Nautilus Fiorus. Les coquilles de Nautil passionnent mes collègues mathématiciens. On ne saura pas pourquoi. Ouh, plus que deux photos et on a déjà une nouvelle perle. Magnifique. Ah, j'ai perdu quand même un cœur. Mais bon. Pas besoin de soin. Je ne dépenserai pas mes sous là-dedans. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, qu'est-ce qui se passe? La caméra. Tu as basé, Paige? Ah oui, ok, autant pour moi. Hey, moi, je saute pas sur les tentacules. Bonjour, madame. Maintenant... Allez, vas-y. Oh, pauvre bestiole. Là, j'ai de la peine un peu quand même. Regarde-moi ça. Ouais. Hé, Jade, regarde les deux bestioles du fond. Tu leur tires le portrait, t'envoies le poil aux toives et on passe à la caisse. Tu n'en vois rien du tout. Mademoiselle Jade, mais rappelez-vous, ah oui. Monsieur de Castro. On veut le mâle et la femelle sur la même photo. C'est bon là? Dès que vous avez la photo des deux monstres, voyez la blague. Splendide. Voilà. Je transmets à monsieur de Castellac. Il est assez jeune en fait, c'est ça. On n'a plus de pont, c'est normal. Coucou Maxine. Où est passé notre pont? Genre, en fait, le monstre il s'amuse avec ses yeux depuis tout à l'heure, quoi. Ça doit être drôle de pouvoir regarder son œil droit avec son œil gauche. On va y piller la... Oups là ! Pterolimax gigantea ! Pterolimax, c'est un animal d'hommes. 3000 là-haut, il vaut pas mal. Ton nom s'appelle Paige. J'attends ton signal, Jade ! Ok. Les unités! Les unités! Yes. Bon, les petites méduses, elles sont bien jolies, mais bon, elles rapportent des sous alors. On pète tout! Donne-moi ton signal, Jade! Ah oui! C'est parti! À toi de jouer. Ba-na-na-na. Défends-toi, Paige. Fais quelque chose. Nom de Dieu.
Pure son propre, s'il te plaît. Tu me gênes. Tu es dehors, mon objectif. Oh là, c'est pas possible. Défends-toi, morte couille. Oh, petit ralenti. Merde. Oh putain, j'étais trop loin. Merde. Cours. Oh, cette phase est super classe. De voir le monstre comme ça au-dessus de soi, c'est assez cool. Trois animaux en foutant les mines. Bah, y'a la passerelle du début. Qu'est-ce que j'ai loupé d'autre? J'ai mal pesé, Tars. Ouais, pousse-toi. Oh, pitié. Rattrape le hasard. Il est où? D'accord. Il fait bon. Mais il est où? Oh, pauvre bébête. Pour une jeunette et un vieux Boudelard. Un vieux Boudelard. Oh, bête, mon vieux Boudelard. Sacré vieux trop blond. C'est mon petit bacon à moi. Oh là là. Quand est-ce que je pourrais croquer dedans? T'en as raté un dans la pièce, ou bien j'ai bon les voir de Monsieur de Casteltruc. Monsieur de Casteltruc. C'est une voiture, alors c'est pas normal déjà. Félicitations, mademoiselle Jade. Tais-toi. Vous avez... J'ai deux mots à dire à ton patron. Ah, monsieur de Castellac n'a jamais existé. Je crois que je vous dois quelques explications, mademoiselle. Merde, c'est un Uber! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Commentez? Non. Je préfère l'autre voiture. Rendez-moi, monsieur de Castellac. Bon, on y retournera plus tard, au pire. Ou j'y retournerai en off. Jade, on verra. Vous avez brillamment réussi un test en situation. Comment ça, un test? Oui. Excusez-moi pour cette mise en scène. Je me présente, je m'appelle Anne, je fais partie du réseau Iris. Le réseau Iris? L'organisation rebelle? La résistance, oui. Contre une menace que tout le monde ignore. Si personne ne réagit, c'est toute la population qui va y passer. Avec l'aide des sections Alpha, nous pouvons repousser les Doms. Les sections Alpha ne sont pas du tout ce que vous imaginez. Pour chaque personne qu'ils sauvent... Coucou, coin, quoi, le meilleur jeu, oui. Les sections Alpha nous défendent depuis des générations. Ils soignent les blessés, repoussent les attaques Doms. C'est ainsi qu'ils gagnent votre confiance, qu'ils endorment votre méfiance. Ils vampirisent toute la planète comme ils l'ont déjà fait pour des centaines d'autres. Et oui. Le gouvernement Ilien n'a pas eu le temps de réagir. Il s'est fait complètement museler. Mais nous pouvons arrêter les sections Alpha. Ah oui. Et comment on peut faire? J'y viens. Ils savent pertinemment qu'un soulèvement de la population leur serait fatal. Apportons au peuple les preuves de ce complot et nous aurons la victoire. Jade, plus que jamais, le réseau Iris a besoin de personnes comme vous. Ralliez-vous à notre cause. Si vous décidez de nous rejoindre, rendez-vous c'est à la petit cochon décidé sur le vaisseau. Belle Mirette. Vous êtes libre de choisir votre camp, Jade. Belle Mirette, tu dis? À la Koudabar. Ah, j'y pense, retenez bien notre mot de passe. À l'abri dans sa coquille, la perle et l'esclave des courants. Mesures de sécurité? La discrétion est notre mot d'ordre. Ah, au fait... Mon Dieu, il a des yeux, ces lunettes. Ah, j'ai quand même ma récompense, donc tout va bien.
Alors, que pense Mademoiselle Jade de tout ce charagoyen? S'il existe un moyen d'arrêter cette guerre, on n'a pas le droit de passer à côté. Eh oui! Oh oui! The Presenters! Oh, magnifique, hein, ça on verra bien ce qui se cache derrière tout ça. Est-ce que tu veux un petit roman? Oh non, t'as pas besoin. Tu crois qu'on peut lui faire confiance? Jade, je sens mal, ce truc c'est vraiment dangereux. Page, je te reconnais pas. Il faut qu'on soit fixé, qu'on sache vraiment, non? Tu sais où on trouve ce Belle Mirette? À Koudabar, quartier piéton. Ok. On va faire une petite sauvegarde. Et nous allons nous rendre en ville. Ah bah attends, là je peux peut-être aller prendre les... J'avais pas vu qu'il m'avait ramené là. Prendre les animaux en photo avant que j'oublie. Histoire d'avoir plein de pesetas. Alors, tu me dis, par là, j'en ai peut-être loupé. Ici, là. Là. Là, 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 là. Ah oui, oui, oui. Cela, je m'en rappelle d'eux. Très bizarre d'ailleurs. Attacus erectus. Bravo, ouais. Jade. C'est tout? Ok, ta pellicule est terminée. Une nouvelle perle. C'est bon, je te transfère une perle. Ah oui! Et je réinitialise ta pellicule. Ah parfait. On a déjà 4 perles. Nom de Dieu. Magnifique. En plus, c'est gentil ces trucs. Oui, c'est tout gentil, oui. Après, le booster. Pardon, monsieur l'âme. Passez par là. Laissez passer le spécialiste. Regarde, le met en face, ok. Et après, il y a dans la pièce ouais, où on était. Je sais plus laquelle, là. Regarde le mur en face. Sur la plateforme, tu dis? Ah, oh là là! Merde! Reviens! Mais... Non, mais c'est quoi ce délire? Quoi? C'est beau. Papyrus Pilolus. Remarquable. Je n'en ai jamais vu de cette taille. Une grosse limace, quoi. Yes. Nickel. Eh! Bon, on va devoir refaire un petit trajet. On va faire ça rapidement. Oula, c'est pas par là. Faut taper sur le boîtier électrique et lever la tête. Le boîtier. Quel boîtier électrique? Ah, ça là. Ouh, joli. Planaria rubestris. Les planaires détestent la lumière. Il est rare qu'ils sortent de leur tanière. Alors celui-là, fallait le trouver par contre, hein. Surtout que t'as pas d'indication comme quoi tu peux taper là-dedans. Putain, faut... Hey, pas chier moi, Marflenouille. Pardon, t'entends.